et Philippe. Nous recevions ce matin Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Et si vous passiez au U-commerce ? On dit bien Dominique Schlecher et non pas Dominique Sécher. Vous imaginez la mauvaise pub ? Bon, celle-là, je vous la fais à moins 50. Oui. C'est le légume moche de la vanne. Alors, le panier RTL a baissé. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le panier ? Un tout petit peu. Il y a du sucre, du café, des céréales. Je me suis renseigné sur le panier. France Inter. Le panier France Inter, il est moins funky, hein, non ? Ah oui. Il y a des lentilles vertes au vinaigre, du boulgour déshydraté, des salsifis transparents, des whole bran pour activer le transit, du steak de soja, des yaourts de soja, des sodas au soja, du soja au soja. Il est triste, comme un panier de gauche. Je comprends mieux la liste Schindler en musique. Tout autre chose, cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement et les élus corses, la Bretagne veut, elle aussi, plus d'autonomie après ça. Les Bretons, c'est comme les Corses, oui. Mais en moins dangereux, parce qu'ils boivent leur cocktail Molotov sur le chemin de la manif. Alors, en Bretagne, on met des drapeaux partout. Ils mettent des drapeaux parce qu'ils sont fiers, les chauvins. Les Bretons, c'est des Algériens, mais qui boivraient de l'alcool, en fait. Alors, attention quand même avec cette histoire d'autonomie, que ça ne donne pas des idées à toutes les régions, parce que si la Creuse dit « on veut notre autonomie », la France risque de dire « vas-y, bonne continuation ». Il y a le côté ivrogne qui bat sa femme et qui dit « ça continue, je te préviens Jacqueline, je me casse ». Ouais, casse-toi Jean-Louis, n'hésite pas surtout. Alors, le gouvernement avec Darmanin, ils sont très fermes avec les Corses, c'est donnant-donnant, on donne l'autonomie, mais par contre, fin du vote des personnes décédées sur l'île, et les Corses s'engagent à reprendre Patrick Fiori. Et Patrick Fiori s'engage à ne plus faire de concert au-dessus des 160 décibels, parce qu'on va parler des acouphènes dans un moment. Le sang est libre. Avec Ika, j'adore la dernière de Patrick Fiori. On n'a plus le temps. Ben, je la revends demain. Voilà. Oui, vous avez raison. À Reims. Demain, entre 7h et 9h en direct. Eh oui, c'est top.